Hello ma listener, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog qui sera sûrement plus court que les précédents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous vlogger les choses que je n'ai pas encore faites sur le parc. J'essaie de vous vlogger le spectacle du soir aussi. J'espère que ce dernier vlog vous plaira. En tout cas, moi j'ai passé un super séjour à Disneyland. Je vous fais plein de gros bisous ma listener. On est pile à l'ouverture du parc et il y a tout ça devant moi qui attend pour aller à Tomorrowland. Tout va bien. On va être patient. Some humans try to get away with other day, a woman tried to go number one. Et je suis ravie, c'est une version complètement différente de celle que j'avais eue à Walt Disney World. Bon, je sais qu'il y a des différentes combinaisons, mais j'avais fait l'attraction trois fois à Walt Disney World et j'étais tombée sur le même scénario. Alors là, on a été sur Terre, on a vu Chewbacca et on a vu aussi un espèce d'alien dans une tenue blanche. Ne m'en voulez pas si je ne connais pas les noms, j'ai jamais vu aucun Star Wars de toute ma vie. Bon, donc il y avait Dark Vador au début avec C3PO, enfin le robot doré là qui nous disait, à la place de celui qu'on a chez nous en France dans ses premiers vols. Et alors le milieu c'était à peu près la même chose que ce que j'avais eu. Donc c'est un combat dans l'eau, enfin un vol dans l'eau, on est touché par le feu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette attraction, du coup maintenant on va passer à la suite. Je tiens à préciser qu'ici c'est un très bon score. Hein? Ne me jugez pas. Bon, j'ai donc fait 96 000 points. Il faut savoir que c'est plutôt un gros score ici parce que j'ai regardé un peu les autres chars, les gens n'arrivaient même pas à faire 3 000. Toutes mes astuces marchent sur cette attraction, celle dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos ou là-haut. Donc toutes mes astuces marchent, excepté la cible du cœur que j'ai pas réussi à trouver, et c'est exactement la même version que chez vous. Je passe juste devant, mais j'irai pas faire ces attractions. C'est juste pour vous montrer le mot et après ce sera le monorail et après on quittera Tomorrowland. Là du coup je vais faire le monorail, je me sens un peu comme Judy qui arrive dans Zootopie.
Je vais vous prendre quelques images, je pense que ça va être magique. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de Hollow Rail. Je suis trop excitée, il y a une cast member qui m'a permis de rentrer tout à l'avant. Regardez la vue que j'ai. C'est génial. Je vais pouvoir tout vous filmer et tout sur le monorail. Regardez, c'est sur ça qu'on va rouler. On a un wild journey to downtown Disney Station and back. For a safe trip, remain seated, keeping your hands, arms, feet and legs inside the cabin. Be sure to wash your shoulder and no smoking, please. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca. Je viens de faire un premier arrêt à Downtown Disney et moi je reviens après à Tomorrowland. Je me sens tellement chanceuse d'être ici les amis, c'est ouf. Destination. Please remain seated until the monorail comes to a complete stop. Vous entendez cette musique? Et oui, ça veut dire les amis qu'on est dans la zone Alice au Pays des Merveilles. Donc là, je vais faire l'attraction avec la chenille, Absolème. Et après, je ferai sûrement les tasses pour voir la différence avec celle qu'on a visée en Paris. See for yourself! Oh, Mr. Maddie! Wait! Please! Wait, this way! No, no, that way! Okay.
bonne surprise. Je suis vraiment agréablement surprise par ce parc. Toutes les attractions complètes, c'est assez dingue. Les tasses d'Alice passent au petit train. Par contre, j'ai pas du tout le courage d'aller faire plusieurs temps. Il y a encore 45 minutes de queue. Ce soleil est brûlant. Donc je pense que ce ne sera pas pour ce voyage-là. Dommage. Ils n'ont pas de bande passe-passe en fait sur ce parc. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même m'éclater autrement. Hein. Vous inquiétez pas. Abonne-toi.